More, dear Jesus, more.
I thank God for
Sion. Nous étions tellement heureux et bénis à travers de tous les chants et les cantiques que nous avons eu à pouvoir chanter. Et le Seigneur était vraiment là. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin, encore en ces lieux où nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est aussi présent, comme mon précieux frère, notre bien-aimé frère, le pasteur Yves, l'a si bien dit aussi au début de la réunion, que le Seigneur a confirmé sa parole lorsqu'il a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est vraiment au milieu d'eux. Et nous le croyons de tout notre cœur que ce matin, il est vraiment au milieu de nous. Nous l'aimons beaucoup parce qu'il tient vraiment à ses promesses. Nous pouvons faillir à nos promesses, mais le Seigneur, notre Dieu, lui, tient toujours à ses promesses. Lorsqu'il dit, la chose arrive, et quand il ordonne, elle doit vraiment exister. C'est pourquoi nous avons une pleine confiance dans la parole que notre Seigneur lui-même nous a adressée. Et lorsqu'il s'adresse à nous, comme nous réalisons aussi que nous sommes rassemblés ici, parce que quelque chose s'est passé certainement dans notre vie. Amen. Et chacun de nous tous a eu à pouvoir avoir une expérience aussi dans sa marche avec le Seigneur. Et là, nous nous trouvons dans un moment où nous devons atteindre maintenant un point culminant. Et c'est le moment où nous savons que bientôt, il pourra venir pour pouvoir réellement chercher son épouse. Et nous attendons réellement ce moment avec beaucoup d'assurance. Pour quelle raison nous sommes dans une telle assurance? Parce que c'est lui qui nous a fait cette promesse et c'est lui qui a aussi prouvé qu'il était capable de pouvoir tenir ses propres promesses. Il a dit, lorsqu'il marchait sur la terre avec tous ceux qui l'entouraient, les pharisiens, les hérodiens et tous ceux-là, les sadducéens, ils pouvaient le voir pécher, ils pouvaient le voir accomplir beaucoup de choses. Alors on le pressait. À ce moment-là, il leur a dit, mais détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il a pu prouver qu'effectivement, que la parole qui avait été écrite, il savait, parce que lorsqu'il était sur la terre, les Saintes Écritures nous montrent que dans le livre de Psaume au chapitre 40, l'Écriture nous dit, « Oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté, parce que dans le rouleau du livre, il est donc écrit de moi, il est donc question de moi. Il savait que dans le rouleau du livre, il était écrit de lui. Et ce que Dieu a eu à pouvoir prononcer et qui est écrit, nous nous souvenons encore très bien de ce que notre Seigneur disait à Jérémie. Il lui posa donc la question. Que vois-tu donc, Jérémie? Et Jérémie lui répondit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, mais tu as bien vu, Jérémie, parce que moi, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et nous voyons qu'effectivement, que le Seigneur veille toujours sur sa propre parole. C'est comme cela qu'il a dit, qu'effectivement, que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il a confirmé, il a démontré qu'effectivement que le 3e jour, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. C'est le même Seigneur qui, en regardant ses disciples, il a dit « Que votre cœur ne se trouble point. » Mon frère et ma soeur, nous ne devons pas être troublés en quoi que ce soit. Même si aujourd'hui, on nous disait que oui, les États-Unis, la Russie, les bombes se sont déjà mises, il reste seulement quelques secondes, ils ont poussé le bouton, ainsi de suite, nous ne devons pas être troublés. Parce qu'il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Il dit, mais croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai terminé, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore terminé cette place, effectivement, alors nous sommes encore sur la terre parce qu'il y a une préparation. C'est si important que nous puissions aussi le savoir. Comme je disais une fois, il est vrai qu'en certain moment, nous avons entendu que c'était l'Irak à l'époque, et maintenant c'est l'Iran qui dit avec les pays arabes aussi, effectivement, que comme Israël était un petit pays, ils vont tout faire pour pouvoir éliminer tous les juifs et jeter même dans la mer, il ne reste absolument rien. C'est ce que le monde, effectivement, pense et ce que le monde cherche. Mais j'ai toujours dit ceci, il est absolument impossible. Peu importe la puissance mondiale, l'armement mondial que le monde peut avoir, même si tout le monde en
entier avait normalement se concentrer ensemble, s'entendaient pour attaquer Israël, il est absolument impossible que ce peuple soit détruit. Amen. Pour quelle raison, mon frère et ma soeur? Parce qu'il y a une promesse. Amen. Le même Seigneur qui va venir nous chercher, il doit revenir. Amen. Pour Israël. Donc, peu importe ce que les gouvernements, les politiciens peuvent dire, nous avons une certitude. Et Israël restera Israël, et aussi Jérusalem restera Jérusalem. Amen. Parce que la parole de Dieu, ainsi donc, à nous, nous a fait une promesse qu'il va donc nous préparer une place. C'est pour cela que nous sommes rassemblés aussi ici, pour que nous puissions avoir communion avec lui, et aussi communion les uns avec les autres. Et nous le supplions pour qu'il nous parle au travers de sa parole, afin que nous sachions où nous en sommes. Et ce qu'il attend aussi effectivement de nous dans ces temps où nous vivons, parce que nous devons être conscients d'une chose. Et ça, c'est absolument nécessaire quand nous lisons les Saintes Écritures, que lorsque le Seigneur a fait cette promesse-là, dans Jean au chapitre 14, il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place, pour que là où je suis, lorsque je serai terminé, effectivement, pour je vais vous dire que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et vous savez comment les questions ont été posées par Philippe et Thomas, ainsi de suite. Alors, si vous remarquez très bien ce que le Seigneur Jésus a fait cette promesse de venir pour chercher. Mais la question est celle-ci. Avez-vous vraiment prêté attention à qui est-ce qu'il a fait cette promesse? Il n'a pas fait cette promesse à tout le monde. Le Seigneur a fait cette promesse à un peuple particulier. Et c'est là que nous devons être très attentifs tout un chacun de nous, pour savoir si réellement ces promesses, effectivement, que le Seigneur a faites, nous concernent nous. Parce que lorsqu'on regarde pendant cette écriture, lorsque le Seigneur vient vers Abraham, il dit, Abraham, effectivement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu donneras le nom d'Isaac. Il dit, en Isaac, c'est la nommée pour toi une postérité. J'aime beaucoup cela, mon frère et ma soeur. Dieu s'adressant effectivement lui à Abraham et donnant effectivement la promesse. Et j'ai toujours donné cet exemple en disant, si Lot était assis là à côté, et que la femme de Lot aussi était dans la même condition, c'est-à-dire que stérile, qu'il n'avait pas d'enfant, et entendant ce que Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, il dit Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Je reviens même à cette époque vers toi, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu donneras le nom d'Isaac, un Isaac sera le même pour toi, une postérité. Et si maintenant, l'autre, effectivement, ayant entendu cela, il se tourne vers sa femme, effectivement, il dit, oh, sûr et certain que toi aussi, tu vas aussi avoir un bébé, parce que j'ai entendu ce que le Seigneur a dit à Abraham, et Sarah, sa femme, aura un fils. Alors, comme toi aussi tu es stérile, tu vas avoir aussi un fils. Écoutez bien, frère. L'homme pouvait espérer attendre même pendant 10 000 ans, sa femme serait toujours stérile. Pour quelle raison? Parce que la promesse n'avait pas été faite à l'homme et à sa femme. La promesse a été faite à Abraham et à Sarah. Donc c'est toujours important, mon frère et ma soeur, de bien prêter attention aux saintes écritures. Et pour voir, voilà, effectivement, quand le Seigneur parle, qu'est-ce qu'il dit, effectivement, et à qui il s'adresse, pour que tout un chacun de nous, cela que la Bible nous dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend et de la parole de Dieu. Ça veut dire que toi qui entends la parole, tu réalises que ici, là, Dieu ne s'adresse pas à lui, mais à moi. Donc, quand Dieu parle ainsi, en me montrant ce qu'il y a, je dis que c'est à moi qu'il s'adresse. Alors, la foi est suscitée en toi. Pourquoi la parole qui t'est adressée à toi? C'est absolument important de pouvoir réellement être très attentif pour que nous réalisons ce que notre Dieu est en train de faire. Lévons-nous, quand on parle de l'écriture dans le livre de Marc, au chapitre 5. Marc, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 21, puis nous arrêterons pour nous à partir du verset 34. Je lirai beaucoup un peu. Marc 5, verset 21 jusqu'au 34. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui.
Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui la main, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis simplement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Précieux Sopa béni, nous voulons de notre cœur te dire encore merci ce matin pour cette grâce que nous avons de pouvoir entendre cette parole et la lire parce qu'elle a été écrite pour notre bien et notre instruction pour que, en la lisant, nous puissions réaliser, Seigneur, combien tu es tellement merveilleux. Loué sois-tu encore pour ce temps de dévouement, Père Saint. Viens, mon Maître béni, et prends le contrôle encore de ce moment, de cet instant. Ô Dieu, de tout esprit, bénévole Père Saint, que tu puisses prendre le contrôle, Père, et d'accorder la grâce qui est ta parole à toi, mon bénévole Père Saint. Ô Dieu, que toi-même, tu en veux nous parler et aussi agir encore, bénévole Père. D'avoir confiance et foi en toi encore ce matin, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux lorsque nous lisons le Saintes Écritures. Nous réalisons combien Dieu est tellement si bon, et tellement si grand, et tellement si merveilleux de nous avoir donné cette grâce de pouvoir recevoir sa parole. Nous devons être conscients d'une chose. S'il y avait quelque chose de tellement si puissant et plus important auquel Dieu pouvait donner réellement à son peuple pour être en sécurité, être aussi dans la victoire en tout temps, Dieu pouvait réellement aussi donner ça. Mais Dieu a trouvé la chose la plus importante pour son peuple, effectivement, dans laquelle, effectivement, ce peuple pouvait se réfugier et avoir cette assurance, il a donné sa propre parole. Et comme la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont réellement été faites par la parole de Dieu. Et nous sommes rassemblés ce matin en cet endroit aussi pour que nous entendions aussi cette parole. Et la Bible nous fait savoir que dans cette parole divine de Dieu, il y a la vie. Et ce matin, nous sommes aussi rassemblés pour entendre que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir entendre cette parole dans laquelle il y a la vie. Et s'il y a la vie dans la parole, alors la parole doit avoir son action. Puisque si Dieu l'envoie, il l'envoie bien pour un but, elle doit atteindre effectivement son but. Lorsque Marie a eu à pouvoir avoir cette visitation, de la part effectivement de l'ange Gabriel qui l'a visité, mais cette jeune fille qui était fiancée à Joseph était surprise. D'abord par la salutation qui lui a été adressée. Elle vivait, elle ne pouvait jamais se rendre compte, vous savez. Cette parole de l'Écriture qui était écrite dans le livre d'Ésaïe, elle était lue dans les temples, dans les synagogues, effectivement. Les gens la connaissaient, les gens l'élisaient, les gens l'entendaient. Ils savaient que Ésaïe était un prophète. Et comme il était prophète, effectivement, toutes les paroles que cet homme adressait, effectivement, serviteur de Dieu, étaient donc la parole qui était ainsi par l'Éternel. Alors il savait que c'était vraiment cette parole de Dieu. Et il prenait réellement à cœur ce que Dieu avait dit par la bouche d'Isaïe. Qu'est-ce qu'il avait dit? Chose tout à fait particulière. Il dit, oh, il dit, le Seigneur, notre Dieu, venera lui-même ainsi. Voici donc la Vierge concevra. Et elle enfantera un fils, et on l'a
Emmanuel, ce qui veut dire, comme vous le savez, ainsi de suite. Et quand maintenant l'ange Gabriel vient vers maintenant Marie, écoutant cette écriture qui était bien écrite dans le Saint Écriture, dans la Torah comme elle disait, donc il était quand même, en fait, en tant que juif, une fille d'Abraham, une fille d'Israël, puisqu'ils aimaient tellement la parole de Dieu, prêtez attention, il était au courant de la chose, effectivement, parce qu'on en parlait, vous avez une promesse comme celle-là, du Messie, effectivement, où tout Israël attendait avec beaucoup de joie, parce que Israël ne vivait que pour lui, Israël ne vivait tout ce qu'on faisait dans les temples, dans les synagogues, était que pour cet homme de Galilée qui devait venir, donc ce Messie qui devait venir. Donc il n'était pas ignorant ce qui allait se passer, en fait, parce qu'on lisait et on le reprenait. Et voilà que l'ange vient vers Marie. Il salue Marie, effectivement, il dit, oh, salut la grâce, du Seigneur a été faite pour toi. Cette femme, effectivement, cette fille, elle était suscitée. Il dit, mais touché par cette salutation, il dit, mais quel est vos noms, cet honneur? Il dit, oh là 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 là, il dit, mais tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et ainsi de suite. Et puis il dit, mais c'est pas possible. Comment cela peut-il se faire? Parce que moi, je ne connais point d'homme. Chose impossible. Et c'est vrai que j'ai toujours répété cela. Depuis que le monde a existé comme monde, jamais une chose pareille n'avait été entendue. Qu'effectivement, qu'une femme puisse concevoir sans l'intervention de la sémence d'un homme. C'est pour ça qu'il a posé la question, mais comment cela se fera-t-il? Or, dans les chaînes écritures, le Seigneur avait prononcé cette parole, et voici donc la Vierge concevra. Mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, votre attention. Il faut que nous sachions une chose, frères et sœurs, que Dieu ne peut pas supplier quelqu'un pour l'adorer, ni quelqu'un pour pouvoir croire en lui. La parole de Dieu en soi, elle est toute suffisante pour qu'il y ait le contexte nécessaire et aussi le cœur nécessaire pour recevoir la parole pour laquelle Dieu a envoyé. Et cela, que l'homme naturel ne croit pas, mais Dieu aura toujours une âme qui est censée pouvoir croire la parole parce qu'elle n'a jamais été envoyée pour rien. Lorsqu'il a dit que la Vierge concevra, toutes les autres pouvaient douter, certainement, mais la parole avait déjà vu Marie avant même que Marie ne soit conçue. Donc, lorsque la parole a été envoyée, elle était adressée à une personne. Donc, cette personne, c'était Marie, pas les autres. Donc, Marie était cette âme qui, lorsque la semence divine de la parole de Dieu venait vers elle, la voici, jeune fille vierge, allait douter. Mais elle, effectivement, puisque, écoutez très bien, frère, la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne rentrera jamais à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Amen. Donc, si Dieu dit qu'effectivement, il aura une épouse irrépressible sans tâche ni vide, que tu le veuilles ou pas, cette épouse sera certainement manifestée. Puisque la parole a été adressée et le coup, effectivement, pour atteindre cette épouse en question. Si toi, tu ne fais pas partie de l'épouse, tu nous trouveras toujours. Mais l'épouse, elle va croire la parole, parce que la parole lui a été donc adressée. Comme Marie, la parole qui était tout à fait problématique, puisque, humainement parlant, on lui a dit, mais elle a dit, mais puisque je ne connais pas d'homme, comment ça se fera-t-il? Et quand on lui a fait comprendre comment Dieu agit effectivement, alors elle a donc cru à cela. Et sinon, donc cette jeune fille, effectivement, est tombée enceinte, et comme la Bible le fait savoir, et elle enfanta, effectivement. Et là, tout Israël pouvait voir quelque chose de particulier. Ils observaient effectivement pendant le temps qu'ils avaient en attendant le Messie, ils ont eu à pouvoir dire effectivement beaucoup qui se passait effectivement. Mais ce jour-là, cette période-là, il est apparu un homme, d'abord Jean-Baptiste, vous connaissez comment ça s'est passé, qui est d'abord frappé effectivement. C'est parce qu'il connaissait quand même les Écritures. Mais le problème, c'est bien de connaître les Écritures, mais aussi ce qui est plus important, c'est d'avoir la foi dans les Écritures. Amen. Ils ont bien vu Jean-Baptiste entrer en scène. Et ce sont les Juifs qui ont envoyé effectivement les sacrificateurs pour aller poser la question à Jean le Baptiste, es-tu le Christ? Il dit non, je ne suis pas. Alors, es-tu le prophète? Il dit, je ne suis pas. Alors, es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas. Mais qui est-il donc pour qu'on puisse donner la réponse qu'ils nous ont envoyée?
Donc, toutes ces questions qui ont été posées, c'était des questions venant des gens qui connaissaient les Saintes Écritures. Vous savez, frères et sœurs, la lettre est dure, mais l'esprit vivifie. Amen. Il a la réponse exacte, effectivement, pour qu'il aille aussi rapporter là-bas. Il devait comprendre que, comme la Bible l'avait dit, le messager entre en scène, et puis effectivement, le Seigneur aussi devait aussi entrer en scène. Quand on a vu effectivement le temps de Jean-Baptiste passer, et de voir cet homme de Galilée se mettre en train de pouvoir prêcher, comme l'Écriture le montrait effectivement, il devait réaliser une chose. Non, nous sommes dans une période tout à fait particulière, car si nous sondons les Saintes Écritures, parce qu'elle dit, vous sondez les Saintes Écritures et rendez témoignage de moi. Ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. Si vous sondez les Saintes Écritures, il faut savoir que quelque chose va s'être passé maintenant dans le temps où nous sommes. Parce que Jean-Baptiste est venu, et puis il nous a dit ce qu'il était, et puis cet homme qui entre en scène. On ne sait pas tellement très bien d'où il vient pour la prêche de Nazareth, effectivement, mais on ne le sait pas encore. Alors ils se sont approchés pour entendre qu'est-ce qu'il prêchait. La foule était touchée par cette prédication, et non seulement cela, on pouvait voir ce que Dieu accomplissait au travers de lui. C'est ainsi que Nicodème vint donc de nuit, il dit, « Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Vous savez, c'était un de ceux-là qui étaient de ceux qui disaient qu'ils ne voudraient pas croire en lui, mais il est venu quand même de nuit pour dire effectivement que nous réalisons une chose, que tu es vraiment un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc ils étaient conscients de ce qu'ils pouvaient voir. Aussi pour aussi entendre effectivement aussi la réponse que Dieu a aussi donnée. Donc tout Israël avec tous ceux qui étaient aussi comme prédicateurs étaient conscients de l'action effectivement de cet homme de Galilée. La preuve que vous voyez dans l'écriture que nous venons de lire, frère. On le lit ici dans le verset 22, il dit, alors vint le chef de la synagogue. Jaïrus, effectivement, nommé Jaïrus. Donc c'était des hommes qui disaient, mais quand ils pouvaient voir le Seigneur en public, il ne voulait même pas que le peuple aille vers lui. Vous connaissez cela. Donc cet homme, effectivement, est arrivé dans une situation à l'extrême. Et là, prêtez attention à ce que nous venons de lire. La Bible nous fait savoir que, vous savez, des rois, quand ils regardaient le Seigneur, effectivement, prêcher l'évangile, ils ne voulaient même pas se faire voir en public pour qu'on puisse dire, il est avec lui, il va avec cet homme-là qu'on appelle Jésus, qui n'a même pas étudié, qui n'est pas écriture, lui quitte les rangs des hommes qui ont tellement intellectuels, qui connaissent très bien la loi de Moïse, qui la connaissent dans la cité même du bout de toi, et tu vas toi t'abaisser pour aller écouter un homme comme cet homme-là. Donc, en public, il ne voulait pas vraiment se montrer. C'était quelqu'un qui va pour les honneurs, pour la gloire, effectivement. Parce que souvent, avec beaucoup même qui se disent croyants, il y a toujours un problème d'orgueil en soi. Le moi dans ma famille, moi dans notre lignée, nous dans notre pays, nous ceci et cela. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que vous avez ces choses encore en vous, et chez nous c'est comme ça, avec moi c'est comme ça, aussi longtemps que ces choses sont encore en vous, vous n'êtes pas encore croyants. Parce qu'un croyant est celui qui a reçu la parole et qui est mort avec Christ. Et quand on est mort avec Christ, effectivement, on est une nouvelle création. On était dans une famille naturelle, dans un pays naturel, mais maintenant Dieu te fait sortir de famille naturelle, ce pays naturel, pour te faire entrer dans un corps qui est le corps de Christ. Dans lequel tu trouves des Juifs, des Arabes, toutes les nationalités, effectivement, confondues là-dedans, dans ce corps. Il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, etc. Donc il n'y a plus les coutumes ici, effectivement. Nous avons notre coutume qui est la parole de Dieu. Amen. Et cela, nous nous retrouvons que quand je regarde mon frère et c'est ma soeur. Alors voilà, quand on arrive à ce stade où on comprend ce que Dieu veut faire de nous, alors la parole de Dieu a son influence sur chacun de nous. Et sinon, j'ai vu ce que vous voyez. Il était de ceux-là qui se tenaient un peu à l'écart, qui ne voulaient pas qu'on puisse un peu, ils voulaient garder un peu leur dignité, leur honneur, leur prestige, hein, parce que ça aussi, jusqu'à ces jours, on en a de ceux-là qui tiennent à leur prestige. Moi, on m'approchait de telle personne, on va me voir avec des dîners. Et vous savez, il y a une église dans les coins là-bas, ils sont absolument en train de crier, et alléluia, et ceci parfois, ils dansent, ils chantent, ils crient, alléluia Dieu. Ils disent, non, moi je vais dans une église où les gens disent, amen, on chante.
N'est pas dans l'église, on dit gloire à Dieu. C'est un sauvage. Oh, je veux être ce sauvage-là. Loue mon Dieu, effectivement. Pour qu'il soit glorifié, parce que j'étais un chien que tu as ramassé et qu'il a lavé. Je peux le louer. Amen. Parce que pour moi, il a fait des noms. Mais sinon, j'ai eu donc, il était de ceux-là qui regardaient un peu les coins de l'œil en disant bon, si je veux, qu'est-ce que ma congrégation va dire, qu'est-ce que tous mes amis avaient dit, nous allons dans les centres là-bas, dans les organisations, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi, qui es un homme tellement si intelligent, une femme tellement si intelligente, tu t'apaises pour aller écouter ces gens-là. Et en plus, leur pasteur n'a même pas beaucoup étudié. Toi, tu es licencié, tu es docteur, je ne sais pas moi, ou un expert, je ne sais pas moi quoi, mais aller écouter ces anéries-là, ce n'est pas possible. Alors, on ne veut pas, et même si on a essayé d'approcher pour entendre, on ne veut pas dire que j'ai été dans ce point-là, parce que c'est dégradant d'être comme cela. Jairus avait un standing un peu plus élevé. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ces jours-là, faites attention. Ces jours-là, quelque chose s'est passé. Il avait sa propre fille. La femme qu'il aimait, peut-être c'était sur le lit, je ne sais pas, mais il aimait cet enfant de tout son cœur et c'était vraiment son âme. Oh, le prestige, il avait ce prestige avec tout ce qui peut l'entourer. Ses collègues, effectivement, de synagogue, ses amis prêtres, prédicateurs, effectivement, qui donnaient tellement les honneurs en disant oh, toi aussi, tu es un grand, surtout comme toi. Tu parles de prophète Moïse, effectivement. Tous les jours, Moïse a dit on sait qu'avec toi, quand tu donnes la place, c'est toujours notre Moïse. Alors là, on sait qui tu es. Ah ah. Ces jours-là, carrément, la chose qui l'a frappé, c'était quoi? Sa propre fille. Cet homme était vraiment arrivé à l'extrémité. Parce qu'il a dit au Seigneur, il allait très bien. Il dit ceci, il dit c'est jeta même, il dit, mais donc, c'est-à-dire, non, mais qu'il est en la blessure, c'est jeta à ses pieds, et lui a laissé cet instant de prière, ma fille est à l'extrémité. Vous vous rendez compte, donc, cet homme, il a donc plus tenu compte, effectivement, de sa présence et de son orgueil. Quand il a vu le Seigneur, il s'est jeté directement à terre. Il s'est humilié, il dit, Seigneur, il dit, pourquoi mon frère et ma soeur? Il a réalisé une chose, que peu importe les prestiges, peu importe les honneurs qu'on pouvait recevoir de ses frères-là qui sont autour de lui dans sa congrégation, mais là, il y avait un problème dont son honneur ne va même pas résoudre. Dans les prestiges, même tous ses frères et soeurs avec qui il était, personne n'a vu ce problème qu'il avait. Il y avait un problème tellement sérieux, ce que sa fille mourait. L'homme était couché à bout. Il était dans une situation tellement si difficile, il a regardé à gauche et à droite, il dit non, dans mon église, il n'y a absolument rien. Même si on me dit que c'est Jésus-là, il ne peut pas être nommé comme étant le Messie. Il dit, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Les témoignages de Jésus, j'ai vu aussi comment il priait pour les malades, comment il guérissait les malades. Il dit, mais aujourd'hui, je suis poussé à vous. Où veux-tu que j'aille? J'étais toujours avec vous ici. Nous avons parlé de ce Jésus, effectivement. On n'a pas apprécié, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, j'ai ma fille qui s'en va. Ce n'est pas l'honneur de mon église qui va la sauver. Ce n'est pas mon prestige en moi, ce n'est pas ma gloire en moi. J'ai consulté Moïse du matin jusqu'au soir, mais l'état de ma fille s'en prie. Mon frère et ma soeur, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu dois sortir de toi-même. Amen. Amen. Il faut que quelque chose se passe de toi. Dieu, écoutez très bien ceci, frère, et ce que le prophète dit aussi. Dieu ne traite jamais avec de groupe. Souvent, quand on est dans les groupes, on est avec des frères, on se sent fort, vous pouvez débiter n'importe quoi. Mais Dieu veut traiter avec toi seul. Sors du groupe. Parce que parfois, quand on est un groupe, on a chaud, on dit, oh, Dieu est avec nous. Non, Dieu veut voir. Il faut que toi, tu guérisses. Est-ce que c'est Dieu en question? Il est vraiment avec moi ou pas? Dieu veut que tu te tiennes avec toi, parce que Dieu veut te parler. Jairus devait quitter le groupe. Jairus devait sortir effectivement de tout ce. Parce que mon frère et ma soeur, vous vous rendez compte? Parce qu'en Israël, mon frère et ma soeur, un homme qui pouvait adorer un homme, c'était de l'adultère blasphème. Il n'y avait que le
Seigneur Dieu lui-même auquel on peut adorer effectivement ce que Jairus a fait, un chef de la synagogue qui connaissait les saintes écritures. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est jeté à ses pieds. Amen. Oui, il a reconnu que l'on, parce que c'est au pied du Seigneur. Vous dites le frère de la Seigneur, donc regardez très bien. Quand l'Éternel a parlé à Abraham sur le chemin de Mamré, qu'est-ce que Abraham a fait? Il s'est prosterné. Amen. Donc j'ai lu de l'église, il s'est jeté. On était tellement arrivés en pratique qu'il fallait que la foi de Jésus soit vraiment une foi vraie. Amen. Pas semblant que oui, et je vais avancer un peu pour voir est-ce qu'il est capable ou pas. Non. Il fallait que Jésus soit vraiment convaincu. Et c'est Jésus-là, il est vraiment le Seigneur. Amen. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Parce qu'il dit quoi, il est. Oh, il s'est là, c'est qu'il est. Il prie avec un saint, il dit, ma fille est à l'extrémité. Si toi, tu n'agis pas aujourd'hui, personne ne peut le faire. Je sais une chose. Très, frères et sœurs, c'est merveilleux de pouvoir comprendre ces choses. Et ça, c'est aussi une grâce de Dieu qu'il accorde effectivement à l'homme de pouvoir arriver à pouvoir réaliser. Quand on regardait le Seigneur, la Bible dit il avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais ce n'était pas comme les grands prédicateurs qu'on pouvait voir à l'époque, effectivement. Lui, non, mais il était tellement si simple qu'on passait même juste à côté de lui. Pour que tu puisses arriver vraiment à pouvoir voir vraiment que cet homme-là que je vois, parce que nous ici nous sommes de loin. Mais il marchait là, il dit, cet homme que je vois ici, c'est vraiment le Messie. Regardez, frère, ça. Il fallait une grâce particulière de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tu dépasses le voile. Amen. Il fallait que le voile que toi tu voyais de l'homme qui était devant, ce voile-là soit déchiré, que tu rentres au-delà du voile pour voir celui qui était dans cet homme, Jésus, qui était devant. Amen. Ah, mais c'est sûr et certain. Amen. Parce que tu regardais que cet homme-là, comme ça, n'allait pas faire un pas avant. Mais il fallait qu'effectivement que tu ailles au-delà du voile. La preuve est celle-ci. Vous vous souvenez quand Philippe a dit à Nathanaël, il dit, nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-il venir quelque chose de bon en Israël? De ce côté-là. Et puis il dit quoi? Viens toi-même et vois. Et quand il est venu, regardez ce qu'il a frappé. Ce n'était pas l'homme qui était devant parce qu'il n'avait rien qui pouvait me frapper cet homme-là. Mais quand il est venu, alors qu'il s'approchait, il dit, mais voici donc un Israélite dans lequel il n'y a pas de faux. Maintenant, il n'a plus regardé le voile ici. Il est allé au-delà. Il dit, mais tu es. Vous dites un petit peu de Jean chapitre 1, regardez très bien. Jean chapitre 1, il nous dit cela. Dans le verset 49, regardez très bien. D'abord ici, verset 47. Jean 1, 47, il dit, Jésus, voyant venir à l'Éternel, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faux. D'où me connais-tu, lui dit l'Éternel. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et l'Éternel répondit, lui dit, Harry, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Donc cet homme n'a plus regardé parce qu'un roi, il a été couronné. Un roi, il est là, dans son palais. Mais il a vu cet homme dégagé là. Et puis il a dit, Harry, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Ce qui a été au-delà du roi. Amen. La véritable foi, elle est celle-là, mon frère. Et ça n'est pas à l'extérieur, mais elle va au-delà. Et la vie, effectivement, avec qui tu as affaire, c'est ce qui s'est passé avec Jairus. Cet homme a réalisé une chose, il dit non, j'ai eu à pouvoir croire un peu, mais maintenant, non, je crois de tout mon cœur. Il s'est posséé à ses pieds. Jésus est bon, mon frère. Jairus s'est posséé à ses pieds, il dit, viens. Vous savez, le Seigneur sent de l'intérieur et le cœur. Il voit l'intérieur du cœur de la personne. Il a réalisé effectivement que cet homme-là était vraiment sincère. Quand il lui a parlé avec autant d'insistance, mon frère, ma soeur, j'ai vu ça, a abandonné sa religion, il a abandonné son manteau qu'il avait effectivement secrété,
sa joie qu'il a fait parce qu'il y a un chef là dedans qui était, les honneurs qu'il avait. Non, là, on voit le chef qui se prosterne devant l'homme qu'on méprise par tout le monde. C'est que quelque chose s'est passé dans le chef. Amen. Oh, oui, le chef est venu. Ici, non, il s'agit de la vie. Il dit, je vais regarder à gauche, à droite. J'ai parcouru partout. Il dit, tu y es la personne. Amen. Vous vous souvenez encore, mon frère et ma soeur, avec la femme syrophénicienne, non? Dont la fille aussi est venue de pas d'Israël, mais de l'autre côté, effectivement. Elle suivait cet homme de Galilée. Et pourtant, les autres ne pouvaient pas suivre. Elle suivait les vieux. Et puis, ici, il dit, mais renvoie-la, mon Seigneur. Renvoie-la, parce qu'elle fait du bruit derrière nous. La femme suivait toujours. Et puis, il dit à la femme, ah, parce que vous savez, les hommes l'ont découragé pour les tuer. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille? De toute façon, elle n'est pas d'Israël. Mais l'œil que cette femme avait était tout à fait différent. Amen. Par rapport même au peuple d'Israël qui regardait, il méprisait les hommes. La femme a vu au-delà. Il a dit, mais je ne vais pas donner la nourriture enfin, au chien. Il dit, oh Seigneur, notre Dieu. Il dit, mais les chiens mangent des biens qui tombent aussi en dessous de la table. Malgré qu'on l'a repoussé, malgré qu'on l'a dit, mais va-t'en, elle savait que cet homme-là, non, il n'y avait pas un autre. Lui, il avait la capacité. Amen. C'est une foi, vous savez, les gens disent, mais femme, ta foi est vraiment grande. Et ça ne te parle à l'extérieur, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi quand nous nous regardons, je n'aime pas lui, je n'aime pas là. Tu perds ton temps, tu n'es pas un croyant. Quand Dieu a donné la grâce que tu deviens un fils de Dieu, ta chair ici est même pareille, ta couleur est pareille, mais c'est ton intérieur. Amen. C'est si bien qu'un voile. Amen. C'est Dieu qui demeure à l'intérieur. Il faut aller au-delà du voile. Amen. La foi est quelque chose de spirituel, surnaturel, et doit toucher le surnaturel qui est au-delà du voile. Et elle m'a dit très bien sur le chemin, alors que quand il a parlé ainsi, le Seigneur l'a observé. Regardez comment le Seigneur réagit dans Luc chapitre. Je crois que c'est Luc 19 tout à l'heure, je pense. Luc chapitre 5, je pense. C'est ça aussi. Marc, je pense, chapitre 20. C'est Marc. Nous l'avons lu, je pense, c'est ça. La Marc, merci. Et il dit ceci. Verset 21, il dit. Verset 22. Alors, vers le chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens pose sur les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Vous voyez, mon frère et ma soeur, cet homme avait vraiment une telle assurance que si cet homme de Galilée, si Jésus-là, oh, il est merveilleux, quand on regardait effectivement comme frère, quand on regardait lui, il avait une beauté, mais quand on regardait, il marchait simplement comme ça. Il dit, si toi ici, tu venais chez moi, tu lui imposais la main. Je suis sûr et certain. Elle sera guérie. Mon frère et ma soeur, ta foi dans les choses de Dieu, dans la parole que Dieu a adressée, effectivement, ta propre foi peut faire même bouger les montagnes. Amen. C'est vrai. Amen. C'est si la vérité. Lorsqu'un homme ou une femme, parce que parfois on confond la conception mentale de la foi avec la véritable foi. Pourquoi nous n'avançons pas? Parce que ce n'est pas la foi que nous avons, c'est une conception. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. C'est sûr. Nous avons besoin de la foi véritable, comme elle dit, est un don, notre précieux frère. Là, je pense que hier, il casse par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Au moyen de la foi. Ce n'est pas une foi illusoire, une pensée mentale, non. Tu es tellement sûr que le salut, tu l'as. Amen. Pourquoi? Parce que tu l'as réalisé en toi. Hier, je vivais comme un chien, mais aujourd'hui, je ne peux même plus. Quelque chose s'est passé en moi. Ce n'est pas que mon père ou ma mère m'ont forcé. Non. Il y a eu cette touche de la part du Seigneur. Ça fait effectivement, en moi, la chose a changé complètement. C'est plus possible. Jésus. Quand Jésus parlait, il m'a dit, si tu viens, Seigneur,
voici qu'il vient. Je t'éprouve que je crois totalement de tout mon cœur en toi. Par la religion, mais tu es héritier. Tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël. Oui, je m'écris même devant toi. Si toi tu viens, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas. Non, je suis sûr et certain. La Bible dit que la foi que Dieu nous a donnée, mon frère et ma soeur, est une ferme assurance de choses qu'on espère. Comment toi, tu penses partir dans l'enlèvement alors que tu n'es même pas sûr et certain que c'est Dieu est pour toi? C'est pas possible. L'enlèvement n'est pas une histoire. L'enlèvement est une réalité, mon frère. Amen. Nous devons être conscients, frères et sœurs, que nous ne sommes pas des comédiens faisant partie d'une pièce de théâtre. Mais non, nous sommes un peuple réel que Dieu a vraiment racheté. Amen. Et ce peuple est dans ce bas monde qui vit, et au travers desquels Dieu doit prouver Amen. Qu'il n'a pas changé. Amen. Que sa parole a toujours la même puissance, Amen. Comme au temps jadis. Amen. Puisqu'il ne change point. Alléluia. S'il ne change pas jusqu'aujourd'hui encore, il doit encore accomplir encore des merveilles. Parce qu'il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, et éternellement, Jésus, lui, il a cru ça. Donc Jésus, effectivement, il fallait que cela soit vraiment, qu'il soit vraiment sincère. Parce que la chose était tellement arrivée. Alors quand il voyait, il se voyait perdre son enfant. Poussé à l'extrémité. Vous allez avoir le problème, je disais l'autre fois. Il y en a des gens qui, quand on dit venez, on va prier pour vous, ils viennent avec des aventures. Oh, je crois que Dieu va me guérir. Oui, vous savez, quand il fait que Dieu me guérit, effectivement, il a des douleurs quelque part, certainement, peut-être quelque chose soit comme une maladie. Là, il vient en se mettant chez nous. Gloire à Dieu, je sais que tu crois. En fait, il croit à la puissance du médecin. Et le croire au comprimé que le médecin va donner, non, le frère va prier pour moi, et puis je sais que quand je vais rentrer à la maison, il y a donc le médecin, madame Presquit, qui l'ordonnance, je vais prendre cette ordonnance, effectivement, je prendrai les cachets, il n'y a pas de problème. Et ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la comédie. Lorsque tu es vraiment poussé à bout, le médecin t'a abandonné. Toutes les blessures qu'on peut te piquer ne produisent rien. Même si tu as des millions, tu peux avoir des grands espérés, c'est demain dans le monde entier. Tu es dit, monsieur, on a tout fait, il n'y a aucun médicament pour toi. Mais pourtant, tu as le besoin de vivre, de mettre en bonne santé, effectivement. C'est à ce moment-là que, quand tu peux voir, effectivement, tu as l'air, tu dis non, ici, j'ai besoin de la guérison. Les choses humaines n'ont pas pu marcher. Oh frère et soeur, je me souviens quand j'étais au Mexico City, la ville de Mexico City. Oh que Dieu soit béni, frère. Je suis rentré dans la salle, effectivement, après avoir dit la bouche. Le pasteur lui dit à l'assemblée, si Dieu pouvait faire, au travers de ses frères, ce qu'il a fait là-bas avec la bouche, oh nous serons heureux. Vous savez ce qui est passé? Il dit, mais si quelqu'un est malade, il vient de le faire ma prière. L'assemblée n'a pas bougé. Bon, il a dit, mais d'abord il vient de la péché, il dit, puis voici. Nous nous souvenons des temps de prophètes, c'est ça les gens. Des temps de prophètes. Et mais c'est que. Alors regardez ce qui s'est passé. Je me suis tenu simplement là. Une jeune soeur s'est levée avec un jeune frère. Ils sont venus là-bas. Dieu que ces soeurs étaient témoins. Je me suis approché simplement et j'ai commencé à prier pour la soeur. Vous savez ce qui s'est passé? La flamme est descendue de la salle. Il y avait une dame, écoutez-moi très bien, qui avait une tumeur de cancer ici. J'ai prié la dame et j'ai prié, frère. La tumeur de cancer a disparu. Amen. Amen. Oui, ce n'est pas de l'histoire. Le Dieu de la Bible, frère, c'est un Dieu réel. Ce n'est pas historique. Et la foi que Dieu nous a donnée est vraie. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est la peur. Vous savez ce qu'il y a avec l'église, frère? Oui, ça, elle m'a dit, Dieu était tellement grand avec le prophète. Gloire à Dieu, je le crois de tout mon cœur. Mais Dieu n'est pas mort avec le prophète. Amen. Sinon, qu'est-ce que j'ai avec ce message? Si Dieu était aussi avec le prophète, il doit aussi être aussi avec nous. Amen. Nous qui avons reçu cette parole, la lumière a brillé. Amen. Nous avons besoin de voir
que quand je fermerai mes yeux, je le verrai, frère. Amen. Et pour cela, sous cette terre, je vais d'abord marcher avec lui. Amen. Autrement, mon frère et ma soeur, à quoi ça me sert de connaître toutes les brochures et tout ça? Vous savez ce qu'il dit? Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, 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 mais je vous ai jamais connu tous. Frère, c'est... Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être conscient de ce sujet. Et j'ai eu celui, c'était pas une foi tout à fait intellectuelle et libre, parce qu'il était tellement bien vu dans son église, avec toutes ses quotations qu'il pouvait citer du matin au soir, ainsi, Moïse a dit, parce que c'était comme ça aussi, à leur époque, effectivement. Mais ces jours-là, les citations ne suffisaient plus. Ah oui! Ah non! Il ne suffisait plus parce qu'il fallait que ce Dieu de Moïse-là fasse aussi ce qu'il a fait avec nous. Amen. Amen. C'est la vérité, non? Amen. C'est cela. Et quand il a vu ce Jésus, il s'est approché. Alors, quand il lui a parlé, je ne vais pas être longtemps, parce qu'on va prier, pas être longtemps. Et lui, quand il a prié, il dit, Jésus s'en alla avec lui. Et vous avez très bien au verset 6, il dit, ma fille, verset 23, ma fille, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose une main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Elle savait très bien. Il était conscient. Que réellement, que si toi tu viens et que tu lui imposes la main, vous vous souvenez encore, frères et sœurs, pour que vous puissiez réaliser ce que c'est que la foi véritable. Je ne vais pas vous dire longtemps, frère, je vais te couvrir, regardez très bien. Lorsque Lazare est tombé malade, on a envoyé des messages au Seigneur pour qu'il vienne par ses sœurs que le Seigneur aimait beaucoup, parce qu'elles aimaient beaucoup le Seigneur. Vous vous souvenez, non? Et alors, quand les temps sont passés, Lazare est mort, et quelques temps après, on voit cet homme de Galilée qui venait, et qui retournait effectivement dans la contrée où Lazare était. Marthe est la sœur de Lazare. Quand elle a appris que le maître et l'ami revenaient effectivement dans la contrée où le frère était déjà mort, il n'a pas manqué de respect en disant, j'ai prié de toi, de tes mamans, que tu viennes depuis longtemps, tu ne viens jamais, Dieu, il n'est pas venu. Non, 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 non. Quand elle est allée, tu avais beaucoup de respect dans la vie. Il dit, c'est toi, tu es ici. Vous y êtes là? Mon frère ne serait pas mort. Quelle foi. Et puis il dit, mais mets la main. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Frère, nous citons beaucoup les citations nécessaires. Est-ce que vraiment nous réalisons le poids de cela pour nous-mêmes? Nous serons fortement jugés. Nous devons être conscients de ce que nous tenons et que nous disons. Nous devons être conscients des frères et sœurs. Ceci est Dieu sous la forme écrite. Amen. Allez, donc, quand nous prenons cette écriture, nous lisons, nous sentons le poids de cela. Il dit, mais ton frère à toi ressuscitera. À cause de cette déclaration, cette foi, ce respect, cet amour, parce qu'il avait l'assurance de la personne qui était en face de et lui, effectivement, dit, mais tout ce que tu demanderas à Dieu. N'est-ce pas qu'il est réellement notre intercesseur aujourd'hui? Amen. Et Dieu te bénisse, mon frère Bernard, assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous le saviez? Le corps est assis, l'esprit est celui avec nous. Vous savez, alléluia. Bien sûr, frère. Il intercède pour toi et pour moi. Jésus-Christ, homme. Yeah. C'est cela, mon frère et ma soeur. Conscient de ce qu'il est comme il pouvait dire, effectivement. Et alors, nous avons vu dans Jérusalem, effectivement. Et alors, verset suivant, verset 24, il dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Parce que, quand ils ont vu aussi Jérusalem qui est venu, le chef de la synagogue, effectivement, tombé à ses pieds, ils ont réalisé, oh là 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 là, dit, avec cet homme. Vous savez, les disciples ont donné un puissant prophète. Et Dieu a assisté tellement avec lui. Luc 24,
effectivement, sur le chemin d'Emmaüs. Et alors là, la Bible dit que la foule le suivait et même le pressait. Regardez cela. La Bible est vraiment merveilleuse. La foule le suivait et même le pressait. Et maintenant qu'il allait, effectivement, parce que Jésus l'a invité. Tu sais, mon frère et ma bien-aimée, ça. N'oubliez jamais ceci. Quand toi, tu invites le Seigneur, tu dis, Seigneur, je te veux, je veux que tu viennes. Il ne va pas manquer, il va venir. Amen. Le problème est celui-ci. Tu l'invites. Quelle est la place que tu veux lui donner? Viens, viens rentrer dans mon cœur. Mais ce cœur-là, tu ne veux pas que Dieu puisse te le changer. Ma soeur, ou mon frère, tu vois ça? Non, en tant que si c'est, en tant que je ne sais pas moi, je ne sais pas quel, en tant que je ne sais pas moi, nous dans notre généalogie, nous dans notre lignée, nous sommes si c'est des barons, nous sommes si c'est des ceci, alors si nous les barons, les barons, ils sont pour nous. Il n'y a pas de généalogie des barons en Christ. Amen. Mais tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Quand tu l'invites, donne-lui la place qu'il faut. Amen. Et si elle demande la place qu'il faut, tu verras effectivement que toi aussi tu changeras. Mais si tu l'invites, mais assieds-toi juste à l'extrémité de la porte d'entrée, il va s'asseoir. Simon a fait la même chose. Hein? Quand il est invité, il n'a pas accueilli comme il faut, il s'est assis là. Il n'a même pas lavé les pieds. Il ne s'occupe pas occupé de lui. Il est quand même venu. Et là, comme Jésus lui a dit, mais viens! La différence avec Jérémie et les autres, c'était quoi? Vous vous souvenez encore de ces centenaires romains? Vous vous souvenez? Oui. Lorsqu'il avait un travailleur qui était malade, effectivement, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas dit que toi qui rentres dans ma maison. Amen. Mais je sais une chose, si toi ici, tu dis un seul mot, juste un seul mot. Amen. Juste un seul mot, juste une seule parole, je vois avec tout mon cœur, et mon serviteur sera guéri. Amen. Mon frère et ma soeur, le Seigneur est venu, je n'ai pas trouvé une telle si grande foi. Frères et sœurs, vous chantez Jésus, oh Jésus, vous ne connaissez pas la grandeur de cet homme de grâce. Vous l'avez tellement limité à votre religion, dans votre bouteille, et ceci et cela, vous ne connaissez pas sa grandeur. Quand Salomon, pardonnez-moi pour les temps, quand Salomon a construit les temples, il s'est mis devant la congrégation, il s'est agenouillé et dit, mais Éternel, notre Dieu, quelle maison on pouvait te bâtir, toi, pour que tu arrives? Il dit, voici, le ciel, ne peuvent te contenir. Amen. Amen. Est-ce que vous réalisez, frère et soeur, que l'univers tout entier a été créé par lui? Amen. Il n'y a aucun ange qui peut exister sans que lui l'ait créé. Lucifer, c'était un génie, un ange déchu, effectivement, a été créé par Dieu. Satan ne peut pas faire quoi que ce soit sans que Dieu le permette. Amen. Donc il a tout sous son contrôle. Amen. Vous ne réalisez pas qui est celui qui est avec vous et qui est en vous? C'est vrai, on a toujours présenté ces Jésus en biscuit ou dans la petite crèche, comme on les laissait dans les traditions. Jésus, le fils de Marie, dans la main. Alors la religion est restée avec nous, et on pense que c'est la foi, plutôt c'est la religion qu'on a pensé à faire. Il faut sortir de la religion. Aller dans la vérité, effectivement. Alors, le Seigneur a commencé à marcher, vous l'avez dit, il vient, il marche. Et pendant qu'il avançait, la foule le pressait, effectivement. Il y avait beaucoup de monde dans la foule. C'est pour ça que vous devez savoir, bien aimés frères et sœurs, ne vous contentez pas de la foule, mais de vous. Vous avec Dieu. Quelle relation vous avez avec Dieu? Alors, dans cette foule-là, il y avait du monde qui voulait voir, mais qui est-il et qui ont parlé. C'était Jésus Nazareth, effectivement. Lui, il ne s'occupait pas, il avançait. C'est même parce qu'on l'a invité. La foule pressée. Et dans cette foule-là,
Mm-hmm. C'est tout à quoi, après avoir reçu ce message du temps du soir, on en a fait en fait une dénomination avec peut-être des reprises, des citations, ceci et cela. Frères et sœurs, une parole divine de Dieu et doit changer les âmes. Amen. Dans le faire des prisonniers ou des gens condamnés, certaines idéologies qu'on a. Non. L'évangile, le prêtre, le mon précieux frère, la liberté, mais là où l'esprit de Christ se trouve, là aussi la liberté. Amen. Mais la liberté n'est pas croire n'importe quoi, mais de croire la parole. Amen. Et demeurer dans les choses que le Seigneur nous a lui-même données dans ces temps, nous vivons, oui. Après avoir eu une telle si grande visitation de Dieu, frères et sœurs, tu sais quoi, nous sommes un peuple privilégié, bref, on n'a plus le privilégié. Alors là, pendant qu'il avançait, la foule le pressait, les gens le poursuivaient, les disciples étaient autour de lui, et on poussait. Il y avait une femme qui était là, dont peut-être les gens à côté ne prêtaient pas attention, mais elle dans son intérieur. Elle avait souffert depuis des années et a essayé toutes les injections, ça ne marche pas. Tout est compris, mais qu'on a pu faire effectivement, ça ne marche pas. Ce jour-là, elle était aussi à l'extrémité. Elle n'a pas attendu qu'un prêtre puisse le pousser bien. Si tu récites effectivement, si elle est liée à 107 millions de l'isophore, tu vas vite. Non, elle n'a pas entendu toutes ces choses-là. Non. Qu'est-ce qu'elle a vu, cette femme? Elle a vu la parole vivante. Amen. Tout ce que la foule pouvait penser dire de Jésus, ce n'était pas son problème. Ce qu'elle avait comme problème, c'est ce qu'elle voyait, non pas de l'extérieur, mais dans cet homme-là. Amen. Ta foi doit dépasser le voile. Aller au-delà. Amen. C'est vrai. Amen. Oui, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Amen. Il faut cette foi pour que la semence vive de Dieu fasse son effet en toi. Amen. Autrement, c'est toujours stérile, ça ne produit rien. Tu écouteras la prédication, tu pourras lire toutes les brochures, écouter même la nuit avec les oreillettes, et si tu te lèves le matin, la même personne. Amen. Parce que tu es devenu religieux. Comme les Sadducéens et les pharisiens, vous êtes tellement bien les Écritures, mais quand l'Écriture a été manifestée devant eux, Dieu lui-même, vous voyez dans la forme d'un homme. C'est pourquoi vous voyez que vous il fait ça, il y a des choix. Je te loue, Seigneur du ciel de la terre. Ce que tu as caché, c'est que nous sommes intelligents. Vous allez le dire aux enfants. On pouvait croire de tout leur cœur comme ça. Et pendant qu'il avançait, la femme qui était là, ce jour-là, elle a dit, oh, c'est le jour ici. C'est pas le jour de quelqu'un d'autre. C'est mon jour à moi. D'accord, ce qu'on a dit, les 7 ans. Moi, je ne vois pas ce que les hommes disent. Moi, je vois effectivement ce que je vois en lui. Ce qui est particulier avec cette femme, bon, Dieu du ciel, Dieu merveilleux. Frères et sœurs, parce qu'ici en français, on dit que si je peux toucher le bord, si je peux toucher ses vêtements, mais en anglais, en fait, c'est le head of the hat, en fait, of the garment. C'est-à-dire que si je fais le bord, il est très bien fait. Cette femme n'a pas cherché à pouvoir prendre le prêtre à la robe, s'embrouiller la robe, effectivement, dit, je suis dans sa robe, alors c'est la religion. Elle est parmi la foule même si elle, il ne m'a pas remarqué. Parce que je ne suis absolument rien. Les grands hommes, effectivement, disent, tu es avec nous, il dit, je suis une infime, rien du tout. Mais je crois de tout mon cœur que cet homme-là, il est vraiment le fils de David, le Messie qui nous a été promis. Amen. Parce qu'il faut d'abord croire en lui. Amen. C'est vrai ça. Et puis savoir que il a la capacité de changer tout le monde. Il n'est pas une religion, mais une réalité. Amen. Ça veut dire. Et si je puis simplement toucher les bords du poids de son vêtement.
Mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu, regardez, frère. Comment une véritable foi, même petite soit-elle, peut faire changer le cours de l'histoire avec Dieu. C'est sûr et certain. Vous dites, mais c'est vrai, frère. C'est comme votre Seigneur marchait sur son chemin, il allait vers chez Jésus. Vous l'avez invité, la foule le pressait. Et cette femme était tellement convaincue de tout son corps et de tout son âme. Dit, si je puis simplement toucher le bord, juste le bord. Frères et sœurs, il faut que quelque part, vous ayez une telle pleine confiance à cet homme-là, qui est juste, son vêtement à lui. Vous dites ça? Juste son vêtement à lui, qui vous dit, si je touche son vêtement, sur cet âme, je suis guéri. Amen. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est moi, et tout ce qui est avec lui, et aussi moi. Amen. Frère, tu dis, va. Frère, quand Dieu a dit à Moïse de pouvoir oindre Aaron, le vêtement était accepté tout ce qu'il était. Vous savez cela, non? Oui, frère, lisez dans le Lévitique de l'Éternel. Vous pouvez voir comment cet homme pouvait entrer dans le lieu très saint. Ce n'était pas avec ses vêtements ordinaires, c'était des vêtements qui étaient consacrés. C'est la vérité, non? Amen. Que Dieu te bénisse richement, mon précieux frère. Qu'il te bénisse beaucoup. Il agira pour toi. Vous savez, frère et soeur, nous aimons trop épater les gens avec notre connaissance, leur montrant combien nous connaissons. Mais en fait, nous n'avons pas vraiment la foi dans ce que nous disons. Et nous pensons que nous servons Dieu parce que la congrégation est épatée, parce que nous agençons ainsi de suite. Dieu n'est pas dans ce genre de choses, en fait. Dieu est dans sa parole. Amen. Et cette parole qui est celle de Dieu, elle a la puissance de pouvoir transformer chaque véritable cœur qui est vraiment sincère et vraiment croit Dieu comme la foi d'un enfant. Alors là, Dieu lui-même accorde la grâce que cette personne qui s'approche de lui, obtiennent réellement le désir de son cœur. Regardez, je vais m'arrêter. Regardez bien. Cette femme s'est dit cela dans la foule. Et même, même si quelqu'un était à côté de lui, mais supposons qu'il ait dit à une personne, mais je puis simplement toucher les bords, cet homme est guéri. Mais tu es malade. Tu es malade. Soit guéri, il faut d'abord qu'on déverse de l'huile sur la tête. Quand tu secours, on fasse beaucoup plus de choses, effectivement. Mes frères et sœurs, vous pouvez venir ici devant, je peux prendre ça, c'est de l'eau. Mais si mon frère prenait de l'huile, je vous remercierai de l'huile, j'ai prié pour voir, vous retournez avec le même démon. Pourquoi? À cause de votre incrédulité. C'est pas l'huile qui guérit. Ce n'est pas lui qui guérit. C'est ta foi. Amen. Vous savez, le prophète de cet âge, je l'aime beaucoup. Vous savez ce qu'il dit? C'est beaucoup de gens. Le prophète. On intéresse à l'extrême même adorer l'homme. Ça, c'est une abomination. Regardez, frère. Il dit, mais les visions que j'ai, c'est pas moi, c'est vous qui provoquez les visions avec votre foi. Amen. Quand vous venez vous approcher, vous voyez. Alors Dieu donne la vision. Alors à ce moment-là, je peux voir la chose comme elle ne sait pas exactement, je peux vous dire, parce que je suis un prophète. Alors c'est votre foi, quand vous vous approchez avec cette foi, alors ça suscite quelque chose et Dieu agit aussi. Donc nous réalisons une chose que lorsque nous approchons de ces dieux avec une ferme assurance, n'oubliez jamais ceci, Dieu.
Dieu aime beaucoup exaucer les prières. Amen. Parce qu'il sait que quand il va exaucer ta prière, ta foi va augmenter. Amen. Plus elle augmente, tu résisteras à Satan une fois de plus. Amen. Donc il ne peut pas refuser de pouvoir te donner ce qui est juste et bon pour toi. La Bible dit quand on en est prêt. Et si maintenant la femme dit, je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je sais que bien. La foule essaie tellement le Seigneur qui a avancé la femme. Et puis cette femme et tout son père, tout son âme, et n'a pas regardé à ce que est-ce que cela va-t-il être possible? Quand tu avances, elle dit, mais est-ce que c'est possible? Dieu va-t-il le faire? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Alors n'avance pas. Pour cette femme, il est toujours des choses possibles. Je le crois. Si je touche simplement les bords de son vêtement, je suis 100% guéri. Amen. Ce n'est pas ce que vous allez sentir, mais c'est votre foi qui apporte cette guérison en vous. C'est vrai, ça. Amen. Et alors, quand il a tendu sa main, effectivement, pendant que la foule le pressait, je pense qu'il était là, peut-être en dessous là, et mettait sa main comme ça, là, là, là. Et je disais, mais elle veut voler ou quoi? Non, je ne vais pas pouvoir voler. Il dit, mais elle poussait, elle poussait, elle s'approchait, elle s'est pressée dans la foule, elle s'est pressée. C'est sur le violent. Amen. C'est vrai, ça. Seigneur, je suis malade et je vais mes yeux vers toi. On me dit qu'il y a réunion, je vais à la réunion. On me dit que je dois, même si je suis grand. Vous savez, frères et sœurs, je peux vous le dire, moi, ma propre vie. Frère, je suis arrivé. Tu vois, c'est mon frère, il est au courant. Quand je suis rentré, les 5 voyages, je fais dans 4 pays récemment. Quand j'arrivais chez moi, après avoir prêché, puis là, tous les jours, je fais des kilomètres tellement éloignés. Je suis rentré, j'ai fait une réunion, et puis un jour, je ne peux mettre debout. Ici, tout ça, ça ne peut plus bouger. Ni dormir comme ça, ni se mettre debout, ni s'asseoir, rien. Mon fils est même élevé, tu ne savais pas marcher. Rien n'est ce qui est extraordinaire. Tu n'avais pas marché du tout. Mais le jour où on avait rien, je dis, Seigneur, je suis dans un état où je ne sais pas. Mes frères et sœurs m'ont vu, je dis, mais il ne pourra même rien faire, on ne peut pas marcher. Effectivement, ce n'est pas possible parce qu'on bougeait les jambes, ça n'allait pas. Mais le jour où il est là, ils sont témoins. Amen. On m'amène juste dans mon bureau, je m'assieds, ils chantent les cantiques. Quand le temps de pouvoir passer à la chair arrive, quelque chose descend. Amen. Fais ça, il va me dire, je marche normalement. Amen. Comme tout homme vivre, c'est pas possible. Cet homme est comme un paralytique, ça ne va pas marcher. Mais là, il bouge, il court. Oui, frère. Amen. Amen. Ils sont témoins. Amen. Quand vous aimez Dieu, frère. Nous n'avons, vous savez, nous n'avons plus l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'Église, l'amour des congrégations, c'est ça. Il faut dépasser cela. Amen. Mm-hmm. Et aimez ce Dieu de tout votre cœur. Et vous verrez ce qu'il va faire. Amen. Vous ne serez plus la même personne, vous serez bouillant. Amen. Parce que la vie de Christ va encore davantage agir en vous. Et cette femme dit, je puis simplement toucher les bords. Et là, quand elle a tendu simplement sa main, il a saisi. Quelque chose s'est passé. Toute la foule a débattu. C'est bizarre. Cet homme qui a avancé comme ça, frère et soeur. Vous pensez que le Seigneur ne vous connaît pas tous? Il vous connaît. Il vous voit dans votre cœur, votre pensée, que vous êtes. Il voit chacun de vous. Quand tu es faux, il sait. Quand tu es orgueilleux, il sait. Quand tu dis des choses, il sait toutes choses. Vous cachez dans la foule, mais il sait vous identifier dans la foule. La vie s'est arrêtée. Il dit à ses disciples, il dit, non, quelque chose m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais maître, nous ne voulons pas dire, mais quand même, c'est pas. Comment toi, notre maître, tu peux poser une telle question? Tout le monde qui est ici, là. Tout le monde ici te touche. Tout le monde ici t'appelle Rabbi, Seigneur, ainsi de suite. Tout le monde te touche. Vous voyez, frère, vous pouvez dire, oui, Génial, Jésus, tu es mon Seigneur, mon Dieu. Savez-vous que la Bible dit que
Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Mais pourtant, vous pouvez le répéter. Hein? Comme pense Pilate. Vous répétez aussi ce que le Juif lui a dit aussi. Vous savez, j'ai toujours dit, pardonnez-moi, j'ai toujours dit, frères et sœurs, j'ai toujours parcouru cette Bible ici depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai jamais vu un ministère de perroquet. Qui répétait toujours, maintenant, je n'ai jamais vu. J'ai toujours vu, effectivement, des hommes qui venaient avec l'Esprit Seigneur, qui ont eu une expérience avec lui. Et qui disaient les choses dont ils avaient expérimenté. C'est ce que Jean a dit, mais ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos yeux ont pu voir, ce que nos mains ont touché. Concernant la parole de Dieu. C'est ce que nous vous rapportons aussi. Ça va vous choquer, ces signes. Si Dieu s'est révélé à William Branham, mais qu'il lui a révélé aussi ceci, William Branham est un prophète, il ne peut pas, lui, vous apporter la révélation. Non, 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 non. Il prêchera la parole avec la révélation qu'il a reçue. Mais c'est Dieu qui te donne la révélation. Amen. Donc tu dois aussi, toi, avoir la même expérience que William Branham a eue. Parce que tu es aussi un fils de Dieu. Amen. Lui, il est un prophète. Toi, tu as ton ministère à toi. Pour celui qui a dit, chacun dans le corps, on ne va pas être tous comme William Branham. Nous avons tous le même esprit. Amen. Amen. Même expérience, effectivement. Dans les choses, parce qu'il n'y a pas un Dieu pour William Branham, un Dieu pour Paul. Non, le même Dieu pour tous. Amen. Nous accordons la grâce de pouvoir arriver. Vivre effectivement sa parole. Ainsi donc, quand le Seigneur s'est arrêté, il a dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, mais touche, t'appelle. Il dit, non. Cette touche-là, elle est différente. Cette personne-là n'est pas la même chose que les autres. Non. Il dit, ça c'est différent. Mon frère et ma soeur, ce matin, le Seigneur vous aussi que tu veux. Amen. Il n'a pas changé. Avez-vous remarqué que dans Apocalypse chapitre 2, je ne vais pas dire, je le baptise. Peut-être 2, la Bible dit qu'il marchait au milieu de cette chandelier d'or. Vous avez déjà vu ça? Amen. Vous avez déjà vu ça? Amen. Si vous n'avez pas lu, je vais lire ça rapidement. Regardez. Puis je vais m'arrêter. Nous allons prier. Révélation. Apocalypse chapitre 2, je pense que c'est cela. Regardez bien. Verset 1 dit. Écrit à l'ange de l'église de Phèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous voyez bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, vrai? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que le même Seigneur qui a commencé avec or, il a été avec les autres, effectivement, juste avec nous au dernier âge. Il n'a pas changé. La même flamme qui a été ici, c'est la même qui a passé ici, qui a passé là, la même puissance, juste au dernier âge. Amen. Alléluia. Amen. C'est que c'est Jésus-là qui était avec or. Est aussi avec nous. Amen. J'étais à Manila. Manila aux Philippines. Je termine par cette promesse que nous allons prier ensemble. J'étais à Manila aux Philippines. J'ai prêché partout dans les provinces, effectivement, à Tabatbaran, là-bas, puis je suis ramené à Manila. Et là, j'étais dans l'hôtel. On avait prêché la réunion aussi à l'hôtel. Et les gens étaient venus, effectivement, les membres de l'hôtel aussi étaient venus. D'autres ont été invités. Il y avait parmi eux un monsieur qui était un catholique. Un catholique comme cela, qui n'avait jamais été dans une église, effectivement. Et puis, on l'a invité en disant, il y a un missionnaire qui vient, est-ce que vous ne pouvez pas venir? Il dit, moi, je verrai quand même ce jour-là. Dites la main, c'est la vérité. Et quand il est venu, effectivement, et il était dans cette salle-là, il avait dans son cœur autant de pensées qui passaient, des désirs, effectivement, dans son âme. Moi, je ne savais pas. Je me dis, puis, quand mon frère m'a dit, bon, parce que le frère, maintenant, c'est toi qui dois porter la parole. Puis je suis passé de la chair. J'étais peut-être fatigué, mais je ne voulais pas prêcher longtemps. Puis pendant que je prêchais, j'ai dit, en disant, surtout à la congrégation,
Et Jésus de la Bible, si dont nous avons la Bible ici, il n'a jamais changé, il est toujours le même. Amen. Et pendant que je parlais comme ça, effectivement, Bible amène Dieu maintenant, la présence du Seigneur est venue. Et j'ai dit, c'est Jésus dont je parlais dans la Bible. Il est ici, dans cet endroit où nous sommes. Et il y a une personne ici, dans la salle, qui a tellement le désir de pouvoir réellement être touché par ce Jésus. Dieu nous examine maintenant. J'ai dit, il n'a pas changé. Il dit, je vous l'ai montré dans la Sainte Écriture qu'il n'a pas changé. Et qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit, lèvons-nous et prions ensemble. Bible à main, nous nous sommes levés. Nous avons commencé à prier. La présence est descendue. Extraordinaire. Et quand on a terminé la réunion, je sors comme il est parti, effectivement. Je vois quelqu'un, on m'a dit, salut tout le monde, effectivement. Et je vois quelqu'un qui veut, ça je lui dis, s'il te plaît, mon frère, ne fais jamais une chose pareille. Je n'ai pas compris tout ce qui s'est passé. J'ai dit, ami, je suis un homme comme toi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je suis monté dans la chambre, l'hôtel. Le matin, je devais tenir la réunion où toutes les églises là-bas au niveau des Philippines, effectivement, mon hier, c'était rassemblé. Je devais apporter la parole de Dieu. Et puis je viens, je vois le frère qui vient chez l'hôtel, il était avec sa voiture. Il me dit, frère, la canadienne, je peux vous dire quelque chose. Il me dit, oui, mon frère. Il dit, il s'est passé quelque chose hier. Il dit, est-ce que au-dessus là-bas se trouvent les directeurs que j'avais invités et qui veulent venir maintenant à la réunion de l'autre côté? Est-ce que je peux lui demander de pouvoir venir ici? Parce qu'il veut aussi venir prendre part aux réunions. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Il est descendu. Et puis il arrive tout près de moi et dit, mais est-ce que je peux m'asseoir? Il dit, mais asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Alors il dit, mais est-ce que je peux te parler? Puisque tu es à côté de moi, parle-moi. Il dit, c'était la première fois pour moi d'arriver dans un lieu où on parle de Dieu comme ça. J'ai déjà entendu parler de Dieu, mais quand on m'invitait, je n'allais jamais. Mais quand on m'invitait, que tu étais venu, je sais de mon cœur va pouvoir aller là-bas. Et quand je suis rentré, oui, j'étais assis là, et tu as commencé à prêcher, quand tu prêchais, il dit, c'était comme si mon cœur était ouvert devant toi, tu lisais dans mon cœur. J'ai dit, c'était pas moi. Et puis il dit, est-ce que vous vous souvenez quand tu as dit, les Jésus que nous avons parlé ici se trouvent ici présents? J'ai dit, oui, je pense qu'il y a rien. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il dit, là où j'étais debout, quelqu'un s'est tenu juste à côté de moi et j'ai senti une main qui m'a touché. Amen. Et cette main, quand elle m'a touché, j'ai senti que tout le mal qui était en moi est sorti de moi. Amen. Il dit, j'avais des problèmes avec ma femme. Quand je suis rentré à la maison, tout s'est passé tellement si bien. Amen. Il dit, je m'entends parfaitement bien avec ma femme. Alors il me dit, je vais te poser un peu la question. Il y a quelque chose qui me perturbe. Moi, je dis, c'est quoi? Il dit, depuis hier jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir. Quand j'ai entendu que demain tu vas apporter la parole quelque part, mon cœur disait, il faut que le lendemain soit là, parce que je commence à avoir la soif d'entendre cette parole. Je veux toujours écouter ce que Dieu dit. Il dit, mais est-ce que je suis normal? Je lui dis, mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que celui que tu as réussi, ce n'est pas moi. Mais tu as reçu la parole de Dieu et a produit l'effet en toi. Maintenant, tu ne suis pas moi, tu suis la parole. Il a été baptisé le même jour. Il s'est consacré à son Seigneur, je crois, jusqu'à ce jour, parce que je ne suis pas encore rentré en manière. Je suis rentré l'année passée, mais je n'ai pas cherché à pouvoir. Mais je sais qu'il marche selon la parole. Le même Seigneur de la Bible est toujours le même. Il n'a jamais changé. Mon frère et ma soeur, si on t'a présenté un Jésus d'un paquet de cigarettes, je ne sais pas, un paquet de gâteaux, du chocolat, des biscuits, ce n'est pas le nôtre. Notre Jésus est de la Bible. Amen. Il est toujours le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternel. Lèvons-nous, nous allons prier ensemble. Oulons ce matin, mon frère et ma soeur, avec nos yeux fermés et nos têtes inclinées. Nous avons entendu dans la parole que le Seigneur Jésus-Christ de la Bible est toujours le même. Quand Jairus l'a invité à aller dans sa maison, il n'a pas refusé. Et sur son chemin, même pendant qu'il partait,
il y avait une femme au prêtre de sang. Cette femme m'a dit, oh, alors qu'il était en chemin simplement pour répondre à l'invitation de Jésus. Jésus au chemin, cette femme m'a dit, je puis simplement toucher les bords de son vêtement. Mon frère et ma soeur, ce matin, Alléluia. Ce même Seigneur Jésus-Christ, il est aussi au milieu de nous. Amen. Tu le crois parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Nous savons qu'il a dit une chose, que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est aussi au milieu de nous. Tu as eu les situations que par lesquelles tu es passé. Moi, je ne sais pas, mais lui le sait. Peut-être que ta foi ne s'est pas accrochée à ce Jésus. Mais aujourd'hui, il veut que cette foi, parce que Jairus n'est pas allé vers quelqu'un d'autre, il dit, il est allé vers Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus fait chair. Si Jésus est parmi nous, Amen. Il ne veut pas nous abandonner. Non. Nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons, il a versé le sang pour toi, mon frère. Son sang pour toi, ma soeur. Pas pour que tu suives les religions, mais que tu suives cet homme de Galilée. Il a la puissance de changer ton âme. La puissance de changer ton avenir. L'avenir va de te délivrer totalement. D'arracher ce qui t'est détruit. Parce qu'il est mort par les temps. Il a payé le prix de rachat pour ton âme. Ce matin, il t'appelle, toi, mon frère. Il t'appelle, toi, ma soeur. Si tu as entendu sa voix, sache qu'il t'a aimé. Amen. Regarde pas à ton voisin, ni à ta voisine, ni à ton mari. Ne regarde pas parce que le jour où tu mourras, dans le cercueil, tu seras seul. Amen. Souviens-toi de cela. Amen. Tout le bien que tu as restera. Amen. Si Jésus t'invite ce matin, mon frère et ma soeur, il t'invite aujourd'hui. Vas-tu réellement répondre à son appel? Si tu désires que nous puissions nous souvenir de notre prière et que tu as vraiment besoin dans ton âme, il est encore présent. Oh, lève simplement ta main, dit Seigneur. Nous voulons tellement toucher simplement le bord de ton vêtement. Parce que toi, tu n'as pas changé. Mon âme a soif de toi. Il soupire après toi. Lève simplement ta main vers lui. Il ne mène la foi comme cette femme. On ne lui a pas regardé à ce qu'il a poussé. L'entouré, mais il dit, je peux simplement toucher les bords des vêtements de mon Seigneur à moi. Mon sauveur, il est mort pour toi, ma soeur. Satan n'a plus le pouvoir. Satan a été vaincu. La maladie a été vaincue. Les démons ont été vaincus. Mort et ressuscité pour que toi tu aies la victoire. Ce matin, il est là, mon frère et ma soeur. Il t'a appelé ici parce qu'il connaissait le besoin de ton cœur. Il t'a appelé parce qu'il savait. Peut-être cette réunion était organisée pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Pour que toi tu puisses venir à lui. Oh, ouvre simplement ton cœur, mon Dieu. Et laisse-le simplement venir. Ne dis pas comment ça va-t-il se faire. Lui, il est le maître de toutes choses. Montre-lui ce que tu as. Bartimée était aveugle. Il n'y avait pas d'espoir. Rien. On le veut même taire. Dis-toi. Il écrit encore plus fort. Invite-le-moi. Le maître l'a entendu. Ne t'occupe pas de l'intégrité de ton voisin et de ta voisine, mais c'est toi qui as besoin de lui. Bartimée a crié. Bartimée a cru. Et ce matin, il t'appelle aussi. Jésus, mon sauveur, appelle tes parents, ma voix, en bénissant d'autres. Yeah.
toi qui n'as pas changé de même compatissant, tu en as la même hier, aujourd'hui aussi éternellement. Voici ton peuple ce matin qui a entendu réellement ta voix, mon sauveur. Voici ces âmes qui sont à toi, Père, que Satan a lié depuis des années, Père. Mais leur cœur est tourné à toi. Le désir est tourné à toi. Il faudrait tant, mon sauveur, que tu étends ta main aujourd'hui. Que tu accordes la grâce pour bénir mes frères. Et que la délivrance au Père leur soit accordée. Ces jours-là, Jésus, quand il t'a appelé, mon Seigneur, tu n'as pas hésité, Seigneur. Tu as été touché, mon ami Père. Tu as vu cet homme qui s'est jeté à tes pieds pour sa fille, mon roi. Tu es parti, mon bénévole Père Saint. Et sur ton chemin, ceux qui pouvaient s'accrocher à toi étaient aussi guéris, mon maître bénévole. En cet âme, tu demeures toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Père Saint, oh, brise encore le cœur, mon bénévole Père Saint. Enlève le doute. Enlève la peur. Oh, Dieu, enlève la résistance avec l'esprit de tomber dans la main, Père. Mais accorde la grâce que la foi puisse pénétrer le cœur, puisse pénétrer encore les âmes, encore aujourd'hui, Père, afin qu'ils puissent croire de tout leur cœur en soi. Oh, puisse-tu pénétrer les cœurs, mon roi. Puisse-tu accorder la grâce, mon bénévole Père Saint. Tu es vivant, mon bénévole Seigneur. Accorde cette grâce, mon roi. Délivre les âmes, mon bénévole Père. Guéris les âmes, mon soir. À cause de ton sang. Mon frère et ma soeur, ouvre ta bouche simplement. Et parle à ces dieux. Parle-lui et fais-lui comprendre ce que toi tu veux. Comme j'ai réussi à lui parler, comme cette femme a dit, depuis simplement je vais voir son vêtement, je serai guéri. Il est là aussi pour toi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ne doute pas. La foi saisit. La parole est vite de notre Dieu. Il demeure toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi le prophète pouvait chanter ce cantique pour que la foi puisse voir que Dieu est dit. Tout est possible, crois seulement. Amen. Tout est possible, crois seulement. Crois, tout est possible. Parce que le Seigneur Jésus, il n'a pas changé. Il demeure toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est lui qui t'appelle. Il t'appelle encore ce matin. Merci, Sauveur. Merci au notre Dieu. Oh, accorde la grâce encore. J'ai ainsi prié, mon sauveur, pour ce peuple, Père, qui est vraiment à toi et qui voudrait tant que tu puisses agir dans leur âme. Bien que leur lendemain soit tout à fait différent, Seigneur, que leur maladie soit complètement guérie, mes mêmes Père, au lieu que leur foi soit vraiment restaurée aussi, sauveur, enfin qu'ils soient un peuple qui te sert. Loué soit ton Seigneur, béni soit-il encore ce matin. Louange au de la toi. Oh, à la toi. Merci pour toi. Gloire à toi.